Hey, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai trouvé une application que j'ai trouvée assez sympa et donc je voulais vous la montrer. Donc ça s'appelle Cenit. Donc vous tapez Cenit tout attaché comme ceci et ce sera le premier résultat. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez. Donc c'est cette icône-là. Une fois que vous allez l'ouvrir pour la première fois, il va vous demander de vous connecter à un compte Facebook. Donc vous vous connectez, vous activez la localisation et c'est bon. Et le principe de cette application, c'est de faire des vidéos de 12 secondes. Donc je vous explique pourquoi est-ce qu'il faut avoir Facebook et PayPal, d'accord, c'est deux applications, enfin deux comptes que vous devez avoir, puisque cette application vous permet d'être payé en fonction du nombre de vues que vous avez sur vos petites vidéos que vous faites. Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche, mais je vais d'abord vous expliquer le truc des paiements, tout ça, parce que c'est ce qui va sûrement intéresser la plupart d'entre vous. Donc vous avez votre compte Facebook et vous avez une adresse email qui est associée à ce Facebook. Parenthèse, ça sert à rien d'envoyer des mails, je ne réponds pas, je réponds que sur Snapchat et Twitter. Et donc du coup, ici, vous allez avoir cette petite option. Et une fois que vous avez gagné un peu d'argent grâce à l'application, vous pouvez envoyer. Et ça va envoyer directement à cette adresse email. Donc, ça veut dire que si j'ai un compte PayPal, ce sera envoyé à cette adresse email là. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien avoir les deux comptes liés. C'est-à-dire que votre compte Facebook a la même adresse email que votre compte PayPal. Si ce n'est pas le cas, créer un Facebook avec votre adresse PayPal, ça prend 5 minutes. Pareil pour PayPal, ça en prend 5 aussi. En 10 minutes, vous avez vos deux comptes. Et encore, j'exagère, 10 minutes, il faut vraiment être lent. Donc voilà, ça c'était pour les paiements que je voulais vous montrer. Donc Home, on arrive ici. Et vous verrez, il y a déjà plein de vidéos, tout ça. On va d'abord regarder comment faire nous une vidéo. Donc vous appuyez sur la petite caméra ici. Vous appuyez juste ici, comme ça. Et ça filme. Pas besoin de rester appuyé, ça filme pendant 12 secondes. Pas plus, pas moins. C'est le principe de cette vidéo, c'est de rester 12 secondes. Petits iPhones là-bas, les petites boîtes. Voilà. Donc notre vidéo est maintenant terminée. Donc je vais mettre un petit texte. Par exemple, à Valais, tellement je vous l'envoie en message sur Snapchat que. Oh là là, c'est hallucinant. Petit placement de produit pour à Valais. Non, je rigole. Donc par exemple, on va mettre que des fautes dans mon correcteur, c'est incroyable. On va mettre Hi Romain. Voilà, même si c'est pas comme ça qu'on écrit. Le i est minuscule. Bon, tant pis, on s'en fiche. Voilà, bon, ça fait n'importe quoi. Il faut savoir que mon iPhone bug beaucoup. Hop. Ici, vous pouvez colorier. Voilà. Et vous pouvez retourner en arrière si vous voulez supprimer tout ce que vous avez mis. Voilà. Et après, vous pouvez mettre en ligne la vidéo. Donc, moi, on va pas le faire parce que ce serait un peu du spam vu qu'elle sert à rien cette vidéo. Donc là, j'ai rien à effacer. Donc, je fais cancel et ça la ferme. Vous pouvez aussi mettre le flash pour filmer. Et une fois que vous avez mis vos vidéos en ligne, eh bien, tous les utilisateurs du monde qui ont cette application, et croyez-moi, ils commencent à en avoir pas mal, pourront voir vos vidéos. Alors, ça dépend des régions, s'il y en a le plus ou pas. Mais comme vous pouvez le voir, ici, on a 58 vidéos juste sur cette petite région. Après, ça s'éparpille un peu partout. Il y en a un peu partout dans le monde. Donc, vous pouvez voir que moi, j'ai fait un test déjà de test vidéo, tout ça. J'ai quand même 3 vues dessus. Incroyable. Des gens ont regardé cette merde. Donc du coup, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis des vidéos tout autour dans cette zone-là. Et plus vous zoomez, plus vous aurez un espace restreint. Vous pouvez aussi rechercher la zone, c'est-à-dire que par exemple, moi je vais aller à New York pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. New York, voilà. Et voilà, j'atterris à New York et je pourrai voir toutes les vidéos à New York. Donc après, vous avez le petit filtre qui vous permet de voir seulement vos vidéos ici. Ou alors choisir comment vous voulez qu'il soit ordonné. Et surtout, si vous voulez voir que les 2 et plus ou que les 4 et plus, c'est-à-dire les notes. Mais comment mettre une note? C'est ça que vous allez me demander. C'est simple, on va regarder une vidéo, celle-là. Intéressant. Vous aimez la vidéo, vous faites comme ça. C'est-à-dire que ça fait après une moyenne pour les notes. Vous aimez pas la vidéo, vous faites comme ça. Je sais pas ce que c'est que cette merde, j'aime pas cette vidéo, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Voilà. Et vous pouvez passer aux suivantes comme ça. Vous voyez, on continue. Et vous avez à voir des pubs. Et en fait, c'est grâce à ces pubs-là que le développeur va gagner de l'argent et du coup, vous en reversez une partie si jamais la pub tombe sur votre vidéo. Donc, plus vous avez de vues, plus vous avez de j'aime, plus vous avez de chances d'avoir des pubs sur votre vidéo et donc d'avoir plus de revenus. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous attendez pas à vous faire des millions, mais si vous faites pas mal de vues, vous aurez pas mal d'argent. Enfin. Pas non plus des masses. Mais voilà, donc c'est assez sympa, ça permet de découvrir un peu le monde, vous pouvez aller voir n'importe où, en période de vacances ça peut être pas mal, vous pouvez aussi filmer vous quelque chose, en période de vacances c'est pareil, les gens ils iront sûrement voir votre vidéo, et ça peut être sympa pour découvrir le monde. Voilà, je voulais vous la présenter parce que pour moi c'est un concept assez original,
Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Dites-moi aussi dans les commentaires, est-ce que vous aimez cette application? Est-ce que vous l'avez téléchargée? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin bref, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!